le but, c'est pas de dire d'inviter tout le monde à être des sportifs de haut niveau. C'est qui, mais c'est à travers les sportifs de haut niveau que vous êtes et aussi professionnels de santé, c'est de porter cette parole pour lutter contre l'inactivité au quotidien. Je travaille dans le service de réanimation pédiatrique. Donc je m'occupe d'enfants au quotidien dont le pronostic vital peut être engagé. Moi, c'est ma deuxième maison, la réapète, souvent je dis. Ça peut être très dur au quotidien. On est confronté à des histoires de vie parfois très compliquées. Et donc moi, le sport, depuis que je suis née, ça m'a toujours animée parce que ça me permet de me canaliser, de canaliser une nervosité importante. Et puis ça me permet de faire face aux différentes difficultés du quotidien. Enfin, ça faisait un moment que je réfléchissais sur ma pratique, tant à l'hôpital que dans mon sport. Et pour faire partie de cette team sport santé, ça a vraiment été une réelle opportunité parce que j'avais beaucoup d'idées, mais je savais vraiment pas comment m'y prendre. Et pour moi, la team sport santé, c'est vraiment ce qui va nous permettre de concrétiser un petit peu toutes les idées que j'avais et essayer d'améliorer un petit peu le bien-être des Français. Et puis surtout, c'est l'activité physique qui compte. Le sport, c'est une chose, mais l'activité physique, c'est également ce qui est le plus important. Je pense que c'est important d'être dans le préventif plutôt que dans le curatif. C'est malheureusement quelque chose en France où on a du mal à penser comme cela. Prévention primaire, c'est pas des médicaments, mais c'est bien plus puissant qu'un médicament. Et puis ça éviterait plein de problèmes plus tard, et notamment les années de vie en bonne santé, qui pour moi est le plus important. Et ça fait du bien de rentrer dans un team où on est tous dans du sport à très haut niveau et dans des études ou des métiers à très haut niveau aussi. Parce que être étudiant en médecine ou en santé ou professionnel de santé, c'est déjà un combat, je pense. Il faut que ce soit passionné. On a tous, que ce soit dans les dirigeants, dans les présentations, les athlètes, on a tous des discours passionnés. Enfin, ça se sent. Et dans le sport, c'est aussi des parcours de combattants, de pouvoir faire une passion, de pouvoir le faire jusqu'au bout et de pouvoir atteindre ce niveau-là et de continuer de l'exercer après. Il faut aller vers les jeunes. Et on est des modèles pour eux, même si on est juste des gens normaux qui se battent avec nos armes au quotidien, mais on est des modèles pour eux, donc autant faire passer ce message. Être actif, ça peut concerner 100% de la population, donc chacun à son échelle. Donc si on peut leur transmettre cette volonté-là et d'avoir envie de faire comme nous, et puis finalement ça devient une habitude et donc ils font comme eux finalement, on peut jouer notre rôle, on a envie de le jouer. Moi quand j'ai beaucoup de rendez-vous téléphoniques, je vais marcher ou je fais mes petits footings de récupération au téléphone. Enfin, il y a plein de solutions, mais il n'y a personne qui écoute. Moi je bosse sur une feedball, du coup je fais du gainage, ça fait des exercices de respiration, c'est des exercices pour le dos, donc c'est du renforcement. C'est du quotidien en fait, c'est de la vie de tous les jours et ça peut être fait dans n'importe quelle entreprise. Il faut vraiment qu'on agrandisse notre champ d'action en modifiant aussi les vecteurs de communication, je pense. Et je pense que la création de cette team sport santé est vraiment une réelle opportunité pour justement la diffusion de ce message. Et puis les watts sont là, la volonté est là, donc il n'y a plus qu'à.